Chouchou TV, l'heure du conte. C'était un matin lumineux et ensoleillé. Chouchou et ses amis se dirigèrent vers le parc quand ils ont vu des chiots dans la rue. Si petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 chiots en tout. Oh, les pauvres pleurent. Ils doivent avoir faim et manquer leur mère. Je pense que nous devrions leur donner du lait à boire. Chouchou a demandé à ses amis de regarder les chiots. Elle est ensuite rentrée chez elle et a apporté du lait crémeux à boire aux chiots. Les chiots avaient vraiment faim. Ils ont bu le lait très rapidement. Et quand le ventre des chiots était plein, ils remuèrent joyeusement la queue et jouèrent avec les enfants. Ici, chiots! Ici, ici! Chouchou attend longtemps le retour de la mère des chiots. Mais elle n'est pas revenue. Il est temps pour nous de rentrer chez nous. Mais je suis inquiète pour ces pauvres bébés. Ils sont trop petits pour être ici tout seuls. Oh! Je sais, Chouchou, mais il se fait tard. Et nos parents vont s'inquiéter. Peut-être pourrions-nous revenir avec nos parents et voir les chiots plus tard. Lorsque Chouchou et ses amis ont commencé à partir, les chiots ont commencé à les suivre. Oh mon Dieu! Les chiots veulent venir avec nous! Ils ne veulent pas rester seuls! Je souhaite que nous pourrions les ramener à la maison! Je veux les ramener à la maison aussi! Mais nous n'avons pas demandé à notre maman et à notre papa. Je me demande ce qu'ils diraient. Chouchou n'a pas eu le courage de laisser les chiots seuls. Et alors, elle les prit avec elle. Quand Chouchou est arrivée à la maison, elle a parlé de ses chiots à ses parents. Maman, papa, ces pauvres petits chiots étaient toutes seules. Nous voulions qu'ils soient en sécurité. Nous sommes heureux que vous les ayez ramenés à la maison, Chouchou. Nous aiderons certains de ces chiots à trouver une maison. Et certains d'entre eux peuvent rester avec nous dans notre maison. Vraiment? Hourra! Vous êtes les meilleurs! Je vous remercie! Chouchou était très heureuse. Elle a remercié ses parents pour la permission de garder les chiots. Les chiots remuèrent joyeusement la queue aussi. Il était reconnaissant à Chouchou et à ses parents de les avoir aidés à trouver de nouveaux foyers.